Et si c'était dans le canton de Neuchâtel qu'un capteur était développé afin de protéger les plantes contre les invasions d'insectes? Le maïs, qui représente plus de 40% de la production mondiale de céréales, peut être attaqué par de nombreux insectes et agents pathogènes. À l'université de Neuchâtel, Ted Turlings et son équipe pourraient, via la reconnaissance d'un capteur, identifier la signature odorante d'une plante émise lors d'une attaque. Les parties principalement ciblées sont les racines et les feuilles. Le projet AgriSense, c'est des milliers de plants de maïs analysés, 54 000 emails échangés, 2,5 millions d'euros, 7 partenaires académiques et industriels. Cette nouvelle technologie aiderait les agriculteurs à surveiller leurs champs de maïs en temps réel. Ils pourraient ainsi appliquer les traitements au bon moment et au bon endroit. Originaire des Pays-Bas, Ted Turlings s'intéresse particulièrement aux différentes cultures à travers le monde. Pour lui, les projets scientifiques sont un excellent moyen de réunir l'expertise de collaborateurs sur 4 continents.